Nous apportons du Brésil une partie de notre racine, et c'est la culture africaine. Dans cette culture, nous essayons de montrer ce qui est arrivé à notre pays, venu d'Afrique. Comment la danse, les rythmes, la musique. Et quand vous me demandez si ça peut apporter quelque chose à l'Occident, je vous réponds oui. De plus en plus, les gens veulent connaître ses origines et ils trouvent que l'origine première du monde, c'est l'Afrique. Je crois que les gens commencent à avoir ces besoins-là, de dire je vais m'exprimer pour m'exprimer. Bon, dans la danse primitive, dans la danse des origines primitives comme la mienne, on travaille du chevet jusqu'au bout des doigts des pieds, disons. Et je crois que c'est ça aussi que les élèves veulent trouver. Pas rester seulement à une école carrée. Thank you.
cœur des pièces merveilleuses. Mais pour accompagner un cours de danse, c'est une technique tout à fait différente. Il faut que je sache doser. Donc il faut que je décompose mouvement par mouvement. Il faut que je décompose les rythmes. Il faut que je suive les pieds des élèves, que j'accentue par rapport à l'expiration. C'était aussi l'ouverture à l'extérieur, mais qui rentre à l'intérieur. C'est l'image qui renvoie de soi, en passant de soi dehors, et qui obligatoirement devrait rentrer. En même temps, la fenêtre, ça prend l'image en passant de soi, si on regarde la fenêtre, on voit toutes sortes d'images dehors, toutes ces maisons, les gens dans la rue, mais on se voit soi qui suit. Et tout ce qu'on ramène dans la mémoire, c'est tout ce qu'on a vécu à travers la fenêtre, mais dedans. C'est-à-dire, je parle là, je sens la fenêtre, et la première impression, c'est de tourner la tête en dehors et carrer. Simplement parce que ça me rappelle que pendant nous sommes là, il y a le dehors qui existe. Et le dehors et le dedans, c'est le un. La même chose. Pour moi, c'est le corps, c'est l'esprit, c'est le mental, c'est tout, c'est pas juste le cerveau. Il faut qu'on ferme les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les doigts, les pieds, c'est les 32 vertèbres ou 33 selon l'anatomie, selon les français. Il faut qu'on sente qu'on a des articulations, sont vivants, le sang qui bouge, le cœur, le poumon. Au départ, je ne peux pas parler comme cela. Parce que si je dis ça, c'est comme si j'en donnais un cours de médecin pour l'anatomie. Donc, au début, je suis très violent parce que je provoque des réactions consciemment. Ça, je peux dire, c'est pas un but, mais une provocation intellectuelle pour que la machine se mette en route. Thank you.
Comme tout le monde ne connaît pas Banda, on vous laisse un petit repos et on le travaille lentement avec les acteurs. Ça veut dire qu'il y a Pierre, les guerriers de la vie, il y a aussi Juan, pas des excuses, Jacques et Marma. Tu n'as pas d'excuses pour ce danse. Donc, et comme je disais, ton temps est là, on a le temps limité. Oui, parfois c'est donc qui s'appelle Banda. Le moment où mes élèves plongent, que ce soit, ils laissent tous les attaches de protection derrière. Ils ne cherchent pas non plus à agripper à le sol, c'est le seul moment où il peut vivre un instant sans être attaché par la terre, par le tout autour. Il vit cet instant pour lui et c'est unique. C'est le moment de chute libre, une planche, sans parachute, etc. C'est le moment. Souvent les gens voulu le faire, mais le font en forme de suicide. Avec une boute de se tuer. Thank you.
Et puis nous mécaniserons l'agriculture comme chez les autres. Et après, nous construirons des buildings de 20 à 50 étages comme chez les autres. Et ensuite, mieux que chez les autres, nous installerons des tapis roulants sur les sentiers du village afin que le paysan se rende plus vite à son logan. Il faut rattraper le retard technologique accumulé par notre pays. C'est à ce prix que nous assurerons le bonheur du peuple. Le bonheur pour moi, c'est d'avoir des rêves pleins les poches du ciel. Mes rêves à moi, c'est l'arc-en-ciel qui ceinture le halo qui, tous les matins, recouvre les cicatrices vers feuillage de la terre, monsieur le président. Le bonheur pour moi, c'est un horizon plein d'espérance qui se laisse caresser sans se volatiliser, monsieur le président. Mon espérance à moi, c'est une fleur d'oranger qui se laisse choir sur l'aile du crépuscule juste avant que grand-mère Fatoumata ne commence à bercer mes nuits avec les aventures des habitants de la brousse. Vous avez, monsieur le président, laissé couler une rivière de miel dans mes oreilles. Vous ne m'avez jamais permis d'en avoir une goutte sur la langue. Vous voulez de surcroît me subtiliser mes rêves, comme vous l'avez fait avec Aminata, Soriba, Bokar, comme vous l'avez fait avec tout ce que vous avez fait passer de vie à trépas. Vous croyez vous débarrasser de vos hallucinations en vous appropriant les rêves des autres. Pour moi, c'est d'avoir des regards tapissés de rêves. Mon avenir à moi, c'est d'avoir le temps de me vêtir des couleurs ocre de la terre. Mon bonheur à moi, c'est de rencontrer tous les cultivateurs de rêves pour faire éclore de nouveaux rêves sur les cendres des voleurs de rêves. Thank you.
Je ne veux plus m'asseoir sur les branches de la nuit, puisqu'il n'y a que deux sortes d'exilés. Il y a l'exilé qui, comme moi, navigue dans la solitude de l'oisillon qui attend sa mère prise dans les serres de l'aigle royal. Et l'exilé qui, comme toi, cherche de l'autre côté de l'océan l'ombre des cocotiers. Entre toi et moi, il y a encore une muraille. Mais il n'y a que deux sortes de murailles. La muraille de Chine et la muraille diaphane. Voilà toute la difficulté et l'angoisse des exilés que nous sommes, que je suis. Nous partons de chez nous, je suis parti de chez moi à cause des problèmes politiques, à cause du fait que je ne pouvais pas vivre là-bas. Je me retrouve dans un pays où il y a d'autres exilés. L'idéal serait que, au lieu de passer notre temps, nos nuits, à rêver sur le village, sur le sentier du village, l'idéal serait qu'on se retrouve et qu'ensemble on puisse rêver. Mais qu'est-ce qui arrive? Dans la structure de vie ici en Europe, nous n'avons pas les moyens de nous retrouver et nous ne faisons pas d'efforts pour nous retrouver. Et ce qui fait que nous deux, moi j'attends dans la solitude de l'aigle qui a pris ma mère. Toi, tu cherches de l'autre côté de l'océan qui sépare l'Europe de l'Afrique, l'ombre des cocotiers. Nous sommes ici. Pour vaincre cette difficulté, cette angoisse, il faut arriver à casser cette muraille ou alors à faire que cette muraille de Chine, tellement épaisse, devienne une muraille diaphane à travers laquelle on peut voir. L'un des moyens, par exemple, de voir à travers cette muraille, c'est la danse. Yeah.